C'est Nokia 5671, aujourd'hui nouvelle vidéo pêche à la carpe à l'étang de la gauche et monnaise que vous connaissez déjà. On a déjà fait un poisson ici. Je vous ai déjà montré la dernière vidéo que j'ai vue ici, on n'avait pas fait de poisson. Mais là on arrive en été, j'ai plus de chances de faire du poisson. Donc c'est pour ça qu'on essaye un nouveau spot. Parce que j'ai des collègues de pêche logiquement qui vont arriver, ils vont se mettre juste là à côté ou l'autre côté de l'arbre, je sais pas comment ils vont se mettre. Mais on va occuper toute la zone ici. Bon, il y a des pêcheurs qui sont installés à côté. Mais voilà, moi je suis déjà arrivé sur les lieux en premier avant eux. Donc j'ai déjà commencé à poser les cannes. Parce que moi je veux mon spot. Et j'ai plus de chances de faire du poisson le matin, quoi. Et puis au moins on est arrivé la journée. Ça c'est super. Du coup voilà, tout est là. Aujourd'hui il fait plutôt beau. Aujourd'hui j'ai regardé la météo, il prévoit bon, un peu de nuages qui sont un peu dispersés là-bas. Mais on est plutôt bien pour le moment. Sinon au-dessus de moi c'est ciel bleu comme vous le voyez au-dessus. Il doit être 7h, il est 7h13 du matin. Donc 7h15 on va dire. Voilà. J'ai essayé des bouillettes. Bon, là-bas ça vient juste de sauter à la carpe. Donc j'ai essayé les bouillettes comme d'habitude, coco, fraise et j'ai de la monster crab que j'ai rajouté sur une canne. Oui, parce que merci mon père de me les avoir achetées, hein, ces bouillettes. Sinon j'aurais pas eu de poisson cette année encore. J'ai fait 14 poissons cette année déjà. Donc j'aimerais en faire encore un peu plus. Du coup voilà, on a installé tout ça, on est prêt à faire du poisson. Je vous reprendrai quand j'aurai un poisson. Sinon les gars, merci. Allez liker la dernière vidéo que j'ai postée sur mon petit départ de carpe. Donc elle était petite, j'étais en train de la mettre dans l'épuisette à ce moment-là. Donc allez la liker, mettez un petit commentaire, ça fait plaisir de répondre. Sur cette vidéo aussi, likez-la et un petit commentaire. Ça fait plaisir de répondre, poser des questions sur la pêche, vous inquiétez pas, je vous répondrai automatiquement. Et puis, voilà, bon bah les gars, on attend le départ, allez, let's go. Bon bah les gars, je viens d'avoir juste une touche retour, avec la canne du centre. Ouais, je viens d'avoir une touche retour, du coup bah ça a pas mordu, hein. Ça aurait été mieux que ça part en avant, voilà, un bon petit départ. Mais c'est touche retour, c'est pas dessus. Donc voilà, j'ai quand même relevé, mais je l'ai rebalancé, je l'ai remis à l'eau. La bouillette à la fraise était parfaite. Parce que celle du milieu, c'est celle à la fraise. Alors c'est celle-là, c'est coco, fraise et monster crab. Donc voilà. Et là, je viens d'avoir une touche retour. On peut dire le premier poisson qui a mordu de la journée. Hein, parce que depuis tout à l'heure j'attends, il n'y a rien. Hein. Je suis en train de faire le montage de la vidéo, bien sûr. Mais voilà, je vais juste avoir une touche retour. Donc j'espère en avoir beaucoup plus. Et les collègues de pêche sont toujours pas arrivés. Ils arriveront dans les 8h30. Donc voilà. On va aller, on attend l'autre touche. Allez, let's go. Bah j'ai filmé sur vidéo, c'est la qualité un peu meilleure. Fais gaffe qu'elle se tanque pas dans mes cannes, cette salope. Parce que si elle fait ça, après, ça va tout emmêler. Sur quoi, là? Vidéo. Bah, je vais faire 1 minute 30 et je referai une autre vidéo.
Mais t'as à peine lancé en plus. Vers le feu noir, Mac 2. Si, faut que tu te mettes entre mes cannes. Ouais. Bon bah voilà les gars, une belle commune, je sais pas combien de kilos, je vous dirai après, mais bon. Elle m'a fait un bon départ, je vais juste avancer. Une canne à la coco, qui est tout à gauche. Donc magnifique, collègue de pêche qui vient juste d'arriver. Merci de me filmer. Donc voilà, hein, belle commune, elle m'a fait un beau départ. Je ne l'ai pas loupé celle-là, moi je me dis, je ne l'ai pas loupé. J'étais au loin là-bas et puis c'est parti marcher, j'ai bien entendu. Donc voilà, je vais la peser, on va me filmer quand je vais la remettre à l'eau et puis je vous dirai tout ça. Bon allez, let's go. Allez vas-y, Jérémy, un poisson. C'est bien, je viens juste d'avoir ma petite carpe et puis d'un coup on gère tout. Et pareil avec sa canne de droite. Donc deuxième poisson pour le moment pour lui. Bah premier poisson de la journée pour lui, mais je vais d'arriver. Voilà. Quand tu lances, tu lèves et quand tu rabaisse, tu moulines, c'est mieux. Voilà, baisse et mouline et remonte. Et tu fais ça quand tu la ramènes. Tu vois, c'est mieux. Le moulinet il bloque pas. Allez vers ta canne. Je sais pas, allez passer de l'autre côté de ton fil, je crois. Eh, parce qu'il a lancé sur toi. Non, pas du tout, justement, il a lancé à 40 mètres. Bah, c'est magnifique. Et là, c'est là où moi j'ai un départ. Bah, non, mais là, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, sors l'épuisette. C'est pour ça. Hein? La foutre Insta, elle a. Ouais mais c'est mieux c'est au cas où d'un doublé. Donc voilà, le tapis est déjà encore mouillé et il y a déjà une autre carte qui est là. Ça le ramène. En plus pour le montage j'ai une petite musique Naruto. Je dis vas-y, je veux la musique Naruto Konoha. Allez là. Miroir ou commune? Moi je dirais miroir. Elle est belle, on regarde combien de kilos. Au moins je peux savoir combien de kilos on a. Tu sais, de base je suis venu ici. Mais j'ai dit ouais, je vais pas en avoir. Passe en dessous des cannes, passe en dessous de ces cannes. Ah non, une commune. Ouah, poissy énorme. La mienne elle était plus belle. Ouais. La mine elle était un peu plus grosse j'ai l'impression. Bon bah c'est bon, allez rentrez. Pouloulou, let's go. Tu écartes les deux bâtons. Voilà, c'est bon, tu es déboîté. Et ensuite t'enroules. Hey, t'as mes rats qui rentrent plus. Hop, je vais faire comme ça. Hop, hop là. La deuxième carte. Ça c'était la deuxième, il y a la troisième encore sur le tapis. Heureusement qu'on en a deux, heureusement qu'on a deux épuisées parce que vraiment j'aurais été tout seul. Elle est partie comme ça. Les gars, ça mord super bien. Il a loupé un départ. J'ai loupé une carte tout à l'heure, mais je vais juste en reprendre une. Ça fait 5. 5 les gars, 5. Et lui là-bas, là, il a trop le seum. J'arrive pas à montrer le vidéo, mais bon. Il a trop le seum parce que du coup, il en a plus zéro. Puis là, ils en peuvent plus parce que ça enchaîne moi sur les cannes des départs. C'est ça que pêcher avec 3 cannes. Hein. Ah ouais, ça donne plus de chance. Hein. Ouais, bon, ça fait 5. Ça fait plaisir. Je mettrai tout ça, les départs, tout ça. Les départs seront avant cette vidéo, donc ça dépend du sens. Donc voilà. Bon bah les gars, on attend l'autre départ. Allez, c'est parti. Les gars,
petit départ de l'après-midi. Quelle heure? Il doit être 13h et quelques. Donc un bon petit départ. Hein. Il faut aller changer la batterie de la centrale, mais bon, c'est pas grave, on va peser la carte. Let's go. Bon bah les gars, j'ai cassé tout à l'heure en lançant, je sais pas ce qui s'est passé, je lance, ça casse, paf, ça fait un... Et c'est bon, c'est cassé. C'est cassé. Puis là on fait le coup du soir. À 21h, donc voilà. On va toujours ficher les gars. Les gars, il est 20h25. On arrive dans les dernières. Bon, encore 30 minutes. On va dire encore 30, 35 minutes. Voilà, 35 minutes. Eux, les deux là, ils sont toujours là. On a bien l'autre mangé. Derrière, on a bien mangé, on a fait l'apéro. Logique, donc on attend le fils. J'ai pris un poisson chat. Hein. Puis voilà. On arrive dans le droit chemin, on arrive dans le dernier. On espère une déroule. Ah ouais, on espère une déroule, surtout pour toi. Hein. Moi, ouais, j'aimerais bien que t'en aies une. Parce que vraiment, je t'ai pas vu combattre aujourd'hui. Il a rien eu, pas de touche, rien. Deux poissons chats, t'as pris. Mais bon, moi j'en ai pris un tout à l'heure. Donc, voilà. Bon bah, j'ai eu une touche retour aussi, encore une fois. Hein. J'en ai trop là aujourd'hui. Donc voilà. Bon bah, les gars, on arrive dans le droit chemin. Surtout si on a une carte, si on en a pas, ce sera la fin de la vidéo. Bon bah voilà, allez, fatal. Bon bah les gars, ça remballe, pas pour moi pour le moment, il reste quelques minutes encore. Donc j'essaie de faire durer un peu plus longtemps les cannes dans l'eau, voilà, pour le coup du soir. Je pense pas qu'on aura de poisson pour ce coup du soir. C'est possible, mais en remballant, mais voilà, je les laisse. Ça, je pensais que ça finissait pas, mais lui voilà, il remballe, plus de cannes à l'eau, voilà, c'est terminé. Et regardez, j'ai jamais vu ça, regardez ces écureuils, je vous jure les gars, regardez. Il a fait des nounours, il les a découpés, il a fait des écureuils avec. Tu vois, t'as géré sur ça. T'as géré pour ça. Et puis lui, il a la même chose. Le petit poussin, petit lapin. Hein, c'est le poussin que t'as eu le départ. Voilà, poussin. Poussin, il a eu le départ. Donc c'est la dernière qui reste à l'eau. Et là, ils sont en train de tout renvoyer. Hein, il reste tout le monde l'épuisette à l'eau, tout ça, la mienne. Et puis, voilà. Bon, ils ont encore les chaises. Et puis, voilà. Bon bah, allez, on attend la fin, allez, on arrive à la fin. Merci les gars, vraiment. Sinon les gars, je vous ai pas présenté. Voici le nouveau matériel pour la fin d'année ou quoi que ce soit pour l'été. Petit truc, petite boîte pour faire les badlines. Donc vous voyez, il y a la petite réglette là. Et la petite... les petits badlines que j'ai montés. Que j'ai montés moi-même. J'ai les petites pochettes, là juste là, où j'ai mis les top bouillettes, les machins, vous avez vu, c'est différent que le sac. Donc voilà, les hameçons, des nouveaux hameçons, une nouvelle tresse pour la ligne, des ciseaux, quoi que ce soit. Toutes les aiguilles que j'ai mis dedans. Donc voilà, je voulais juste vous présenter ça. Et ça, c'est super, parce que ça, vraiment, dans le noir, ça s'allume vraiment quand on est dans le noir. Le machin, il s'allume quand on a la lampe, la bonne lampe qu'il faut. Mais vraiment, ça s'allume, donc si vous voulez le trouver dans le noir, vous avez juste à regarder ça et vous le trouvez directement. Ah voilà les gars, allez, on attend le fiche. Non, ça va plus fort. Non. Maman, j'ai niqué lui. Et j'ai décapité. Non. Hey, hey, hey. Bon, regardez, assis lui. Niqué des remèdes. Ah, le seum. Ouais. Ça pouvait. Voilà. Ça c'est lui, on a fait un putain de départ celle-là. Je suis en train de remballer le canne parce que j'avais eu un chat. Et là le coup du soir ça part. Lamborghini, pas de gauche, c'était la Vidroni, ça coûte cher. Champs-Élysées, mon frère, nouvelle Tremont, doudou de Montclair. T'es mal la carte bancaire, à Anvers, les diamantaires. J'ai même plus comment faire, j'ai ma tous vos commentaires. J'fais deux, trois bar mitzvah, bar mitzvah, mon barbe à la kippa, à la kippa. J'fais deux, trois bar mitzvah, bar mitzvah, mon barbe à la kippa, à la kippa. Voilà les gars, du soir. Bien, à la dernière minute, ça pouvait partir. À la sauter, sur le tapis de recette.
Lipa. Le costard à 10 balles. Elle dit qu'elle me connaît, comment ça? Elle veut que je m'abonne, commence pas. À demander pourquoi on danse pas. Hein? Pourquoi on danse pas? Elle m'a vu sur Snap avec Naps. Oui, sur Snap avec Naps. Avec Bonji ou avec Tams. Faut filer la Hé hey, hé c'est Gris. La la la. La boiserie. La boiserie. La boiserie. Il aime la moto, la déconne. Toujours à mettre la gomme, même quitte à tout casser. Pour nous faire marrer, vous n'avez pas tout vu. Ça va arriver. Toujours à mettre la gomme, même quitte à tout casser. Pour nous faire marrer, vous n'avez pas tout vu. Ça va arriver, je parle bien de notre ami Thierry de la Boiserie. Parfois il nous fait le giton, même si c'est pas assez souvent. Je me tape tellement des bas dans son peignoir ou son cuir noir. Avec son canon scié, sa barbe dessinée, son chapeau de ranger, sa beau paille intérieure, sa BM cheminée qui drift pour tout cramer les pneus. Il aime les manger pour faire toujours plus de fumée. Avec ma basse, tout y passe. Dès qu'il touche, il casse. Vous n'avez pas rêvé, c'est bien lui qui l'a cassé. Il nous fait bien marrer avec toutes ses idées, dans le but de s'amuser et nous faire rigoler. Nous faire rigoler. Il a mangé le volant du chauffeur, la terrine de guêpe. Il a mangé l'auto de ses morts, le résidu de fausse couche topé. Il aime la moto, la déconne, toujours à mettre la gomme. Pour nous faire marrer, vous n'avez pas tout vu. Ça va arriver, je parle bien de notre ami Thierry de la Boiserie. Il aime la moto, la déconne, toujours à mettre la gomme, même quitte à tout casser. Pour nous faire marrer, vous n'avez pas tout vu. Ça va arriver, je parle bien de notre ami Thierry de la Boiserie. À côté de ça, des passionnés, prêts à tout pour réparer les motos cassées qu'ils ont récupérées. Avec ses milliers d'abonnés, même faire des journées motocross à passer tous sur la même bosse. Et oui, ça c'est son truc, se rassembler pour s'éclater. On a tous un but, lui c'est de vivre pour s'amuser. Il ne faut pas oublier celle qui est derrière pour filmer sa mère.